Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 37 de mon Let's Play sur Zelda. J'espère que vous avez la patate, parce que moi c'est le deuxième épisode que j'enchaîne. Comme je vous dis dans la fin de la vidéo, Zelda 36e partie, je sais pas comment on dit ça, bah on va pas se chier. On va aller voir justement au-dessus de cette tour, voir s'il n'y a pas quelque chose débloqué. Ça me semble plus logique pour moi en tout cas. Les autres trucs, non, c'est pas logique, c'est pas logique. Du coup, on va pas se prendre la tête, on va monter pendant une demi-heure. On voit que je frise un petit peu. Je suis en train de faire un montage en fond, du coup, ça a pas duré toute la vidéo, ça a duré juste 10 minutes, logiquement. Et normalement, ça devrait reprendre son cours, parce que j'ai fait le montage en même temps, parce que j'aurais peut-être pas le temps de mettre la vidéo, du coup. Je fais tout en même temps, comme ça je pourrais vous proposer l'épisode 36 quand je l'ai enregistré, le jour même, etc. Et ça va être sympa. En tout cas, pour vous qui attendez ce Zelda tant attendu qui fait fureur sur ma chaîne, j'en suis encore heureux. Je suis content que ce Let's Play vous fasse plaisir. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir en retour aussi. Donc, combien d'étages va-t-on monter? Non, c'est rien. Celui qui saute de là, il a le temps de voir sa mort. Hein. C'est bon pour finir. C'est géant cette tour. Imagine s'ils ont fait une tour infinie. On s'amuse les Zelda. Et voilà, on se retrouve au dernier étage. Voilà, c'est vraiment ralenti le jeu. Désolé. J'avais pas prévu ça, je croyais que ça allait fonctionner. Je crois que c'est pas bon dedans. Dans le passé, j'ai déjà fait tout ça. Ça va chier. C'était le bon moment. Épisode 33, je crois. Je suis plus trop sûr. Ça fait déjà un moment que j'ai tourné. Sachant que la série Zelda que j'ai fait sur ma chaîne a quand même maintenant un an de plaisir. J'espère que ce Let's Play va être bientôt fini pour voir clôturer en tout cas tout ce qu'on a pu réaliser lors de ce Let's Play. Pas que pour passer je dois justement refaire ce truc merdique. Un peu chier. Moi je dois le faire. Ralenti. Wow, la musique. Ça tue les chicons. Je me casse. Encore cette bête là. Je vais être obligé alors de justement pouvoir passer de refaire le truc en arrière. Ça me casse un peu le cul, mais on va le refaire, tant pis. Un peu casse-pied. En plus, ils avancent lentement, délicatement. Pour te rendre fou. Ouais, après, il y a des sûretés partout. Je suis un peu perdu là. Il manque. On n'a pas les trois lumières justement. Moi j'en vois que deux là.
Kriken. Ça va être long, je sens. Je sens que je vais tourner. Alors que j'ai déjà fait le machin. Pas mal. C'est pas mal. Mais ça, enfin, c'est bien que c'est moi. J'aime tourner. Et pour rien. On passe à côté de ce mob affreux. Passer en plus. Bon, ce que je vais faire, c'est juste faire un flashback pour justement voir où ce truc est passé et on se retrouve direct après. Bon, ok les gars, je vais te regarder. En fait, je suis extrêmement con parce qu'en fait il y a la lumière bleue, j'aurais pu la prendre directement et pas me faire chier à faire ça. Du coup on va ressortir, on va aller chercher cette lumière, on a fait un petit détour pour rien. C'est pas grave, de toute façon on aime bien visiter. Je suis déjà à 45% de mon montage. En 6 minutes, ça va, c'est sympa, ça va vite. Par contre, ça prend toute la côte, tout le PC. Du coup, on va voir justement la suite de ce let's play à travers ce machin. J'aimerais bien choper cela. Pour des bombes. Un truc intéressant de proposer, non, tu ne veux pas, tu es une radine. Celui ici, ça lag. Le gros fossé qui prend toute ta RAM. Pourtant, j'ai 16 gigas de RAM. C'est un machin. Une châtaigne, voilà. Du coup, on va passer par ici pour monter au-dessus. Montons tous ensemble. Ce toit, ça lag pas trop, ça dépend des endroits, la pression. Ça on n'a pas trouvé les gars, c'est trop dur. Et voilà, on a trouvé notre endroit. Alors ça, il n'y avait pas avant, du coup. Parce que j'ai fait le tampon ici. Vous avez trouvé un monument à Etamp. Vous pouvez tamper le carnet de Rick Nico. Et boum! Et on pourra justement rentrer dans ce petit temple. Qu'est-ce qui s'y cache? On retrouve une pièce similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Alors on va sûrement se retaper une étape comme les autres parties de la tour des esprits. Sans même sûr. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Je n'aurais jamais cru qu'il y avait une salle aussi vaste sous l'autel. Nathan, cette fois, c'est vraiment la dernière. Il faut unir nos forces et donner notre 110%. Viens, allons-y. Elle m'a interrompu juste pour ça. Qu'est-ce que c'est? Il y a un mob qui arrive par là.
instruis à toi de ce que dit Dame Axel, Nathan. Cette épée renferme une puissance sacrée. Tu vas pouvoir attaquer le spectre même sans l'arme de lumière. Je vais y arriver. Déjà que j'arrive à atteindre justement ce spectre magique. Non, l'autre. Plus les cœurs. Je ne veux pas de cœur. Du coup, on peut rien faire. On va pleurer dans notre désarroi. Je vais directement passer à... au sous-sol alors. Alors. Il fait bien noir ici, Nathan. Il me semble qu'on est déjà retrouvé dans cette salle du genre. Tu te rappelles, c'est facile, on a juste à faire comme l'autre fois. Pourquoi ils ont fait un genre comme ça aussi? Notre bon boomerang. Ouais, je parie qu'on va devoir se servir de toutes nos affaires. On l'a fait. Ouais, carrément, il me voit direct. Retourne-toi. Voilà. Fait chier, ça a été vite. Pour se casser. Mon montage est à 89%. On va bientôt pouvoir justement profiter d'une meilleure qualité. Je me suis fait toucher? Comment j'ai fait ça? Avec ce robot là. Non, c'est bon. Où va-t-il passer ce robot? Regardez ce qu'il pourrait y avoir, ce qu'il pourrait avoir plutôt. Il y a des boules de chaque côté. C'est bon pour ouvrir cette porte. Parce que maintenant il y a un chrono à respecter. Oh, il y a un chrono à respecter. On va se faire un petit mot comme ça. Ça va être super cool comme activer les deux. Ça va, ça semble quand même assez. Pas trop compliqué. Il y a le robot qui fait le tour. Ça va me casser les couilles. Parce qu'il y a dans le mauvais sens en plus. En plus, tout mon affaire au fail. Et voilà, en plus je me fais avoir. Oh, saloperie, t'es. Bon, ça va, j'aime pas faire attention, je me suis fait troller.
On avait vu ça. Fait défoncer en live. Vous avez tout vu tous mes affaires en plus. Ouais, barbare. C'est pas grave. Qu'est-ce que je fous là? Moi je me suis fait pousser. On va recommencer notre affaire. Monsieur Rivière, il passe par ici. Je vais me faire chier. Non, on va rester là pour voir où exactement il va décider d'aller. Pas chier. Je préfère, de toute façon, les deux côtés me semblent quand même assez faciles. Je préférerais d'aller par là. Ça m'arrange. Oh là là! Mais le truc il me troll, il prend le robot, je veux pas le robot moi. Voilà. On aura réussi! Malgré ce fail de ma part. L'autre, il va chercher de l'autre côté. Ouais, tu es bien. Va. Éloigne-toi de nous. C'est bien comme ça. Tu viens? T'aimes bien, t'aimes bien. Attends, on se marie. Faut être marrant. Alors, qu'est-ce que ça raconte ici? La noirceur peut parfois guider nos pas. Moi, je suis un barbare. Ça vous a pas des dommages? Oh, mais tu te fous de voir aussi. Jouer comme t'es. Je déconne en plus. Ok, elle est finie à la pisse. Elle est finie à la pisse. Satanique. Essayez de le passer. Là, je suis un peu perdu parce que je me demande qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Oh, mais toujours aussi conne celle-là, elle me bloque à chaque fois le passage. Il y en a qui me poussent les là. En fait, j'ai tourné. Ok, il y a du vide là. Il y a du vide. Vide au milieu. Ah.
ça. Pas monter sur son dos ni rien. Comment faire? Comment pouvoir avancer? Ça c'est une bonne question. La noirceur peut parfois guider nos pas. Le problème, c'est que je vois rien. Yeah. Fais tout le tour de ton machin, sans résultat. Pour me péter la gueule sur le sol. Et a fait d'extraordinaire. Je regarde quelque chose. Je regarde un peu dans mes options pour voir ce que je pouvais faire, mais je ne trouve pas. Du coup, je vais essayer quelque chose. J'avais été voir un petit peu justement comment on pourrait faire justement pour passer cette salle, vu que je ne vois pas comment je pourrais faire. Et en fait, c'est tout con. Il suffit de justement prendre sa soufflerie, mais justement dans mes options, je cherchais. Comment empêcher de souffler comme un con? S'il n'y a pas une astuce pour souffler, j'ai pas de souffler encore comme un con. Je ne sais pas la touche. On m'a dit que justement sur ce let's play, il y avait une touche à trouver. Et du coup, moi, je vais muter mon micro sur cette partie-là, comme d'habitude, et on va se faire tous ces bois de feu. Allez, on va commencer. Oh, oh, oh. Celui-là. Justement, nous allons voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-ci. Alors, on a plusieurs clés. Regarde, attends, il y a trois portes verrouillées. Je me demande laquelle on devrait choisir. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, tu as raison. Allons tout droit. Ça doit être la bonne, je pense. J'ai pas de clé. On va prendre notre arc et flèche. Vas-y, je t'attends comme d'habitude. Ce qui est bien avec ça, c'est que on va pouvoir me guider. Où je veux savoir où je vais. Ce qui est mieux, c'est qu'elle passe devant quoi. Qu'elle me pousse, c'est gratuit. Porte ici. Il a continué à faire avancer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Tu peux t'écarter un petit peu s'il te plaît. J'active cette flèche. Ça allume celle que je vais voir. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Il y a quelque chose d'écrit, mais il est trop noir pour déchiffrer. Ok. Un petit boomerang. Je dois te dégager avant que je m'énerve. Ça va pas fonctionner. Les deux yeux qui sommeillent dans le noir, lance leur jet de lumière et tu trouveras la clé. J'ai trouvé. Réussi à mourir. Je sais pas comment il a fait. Help me, help me. J'ai vu le deuxième œil, mais je ne sais plus où il est. J'aurais pas dû garder celui qui était en feu. Justement. J'ai vu l'œil, mais ça a été tellement vite que je sais même pas où il est. Ok,
Il est tellement con, maintenant il reste là. Voilà. Mise de passer des corps en corps. Ok, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Non, comment y accéder? Désolé mec, je te répondrai après parce que là je suis un peu occupé. Moi je me suis fait toucher, je me passe dessus, je me fais toucher. Complètement logique. Du coup j'ai vu qu'il y avait une porte. Je peux pas accéder. Que je fasse. Il faut que je regarde un peu plus haut. Non, parce que cette porte doit s'ouvrir. Il y a une pierre là juste après en plus. Pour allonger les murs, hein, il n'y a que ça à faire. Par qui? Merde. Il est doux celui-là. Voilà. Je suis en sûreté. En même temps, si tu ne suis pas, c'est normal que ça n'avance pas. Il y a une porte magique là qui m'empêche de passer. Vas-y, avance. Allez. Je passerai pas par là. Il y a une porte qui m'attrigue. J'ai vu une porte là. À quoi elle pourrait bien servir? Voilà, j'ai vu la porte. Peut-être ici, mais je crois qu'il y en a un peu plus loin. Voilà, ici. Comment justement accéder à cette porte là? Il y a des portes partout. Mais où aller? Là, j'ai déjà activé, je m'en fous. C'est le problème que je suis bloqué. Ce n'est ni évident, hein. Bon,
toute façon, je crois que je vais vous laisser sur ça, parce qu'on est quand même à 35 minutes. Je vais pas faire des gros épisodes comme ça. Moi, je vais pouvoir avoir le temps de mettre la vidéo en ligne sur ma chaîne YouTube. De vous proposer l'épisode 36 aujourd'hui. Et en tout cas, moi, je vais vous laisser sur ça, sur un grand mystère. Demandez-vous qu'est-ce qui va se passer, parce que vous le saurez pour l'épisode 38. Allez, je vous laisse, je vous dis ciao, bye bye, et on se retrouve pour le prochain épisode.